Restons dans la capitale burkinabé où jeudi, le président burkinabé a rencontré les forces vives du FASO. Capitaine Ibrahim Traoré a longuement développé la vision de l'AES pour les secteurs de la communication et de la diplomatie. Wendiam Achille Kabore de la RTB nous en dit plus. La diplomatie au Burkina Faso se fera au-dessus du peuple. Face aux forces vives de la nation, le président du FASO, qui souligne que toutes les décisions concernant les partenaires seront prises de concert avec les autres pays de l'Alliance des États du Sahel. Nous avons opté pour une diplomatie de vérité. Nous ne comptons pas nous mettre dans certaines logiques de mentir ou de couvrir la réalité, soit disant que c'est la diplomatie. C'est faux. Et nous nous sommes donc inscrits dans cette logique de dire clairement les choses au peuple. Et pour que le peuple ait la mesure des défis qui l'attendent, le chef de l'État essaie de caricaturer l'impérialisme. Le monde se résume en un triangle pour eux. Vous verrez le triangle dans la plupart de leurs insignes. Peut-être que vous ne comprenez pas, mais le monde se résume en un triangle. Pour eux, au sommet du triangle se trouve l'empire du bien. Et l'empire du bien, c'est eux. C'est la prospérité, c'est tout ce qui est positif. C'est eux qui ont droit à tout ce qui est bonheur sur ce monde. C'est eux qui ont droit à toutes les richesses. C'est à eux d'imposer leur manière de voir le monde. C'est à eux d'imposer leur vision, leur mode de vie. À la base du triangle, il y a deux empires. D'un côté, l'empire du mal, selon eux, et l'empire des esclaves de l'autre côté. L'empire des esclaves, selon eux, c'est l'Afrique et certains peuples d'Amérique du Sud. Ils ne peuvent pas concevoir que des Africains puissent s'émanciper, sortir la tête de l'eau et vouloir donc les tenir tête. Un levier qu'utilise l'impérialisme pour atteindre ses objectifs est la communication, selon le capitaine Ibrahim Traoré. Pour lui, il y a lieu de recadrer. Nous souhaitons que chacun soit acteur de l'émergence du Burkina Faso à travers sa manière de communiquer. Et je souhaite que tous ceux qui sont dans la communication puissent être professionnels. Lorsque nous voulons poser un acte communicationnel, qu'on se pose la question, est-ce que c'est pour la patrie ou contre la patrie, avant de poser l'acte. Pour y arriver, le chef de l'État annonce continuer à mettre en valeur la culture et les coutumes du pays afin de retrouver l'identité burkinabé, c'est-à-dire homme intègre.